prends ça. T'en penses quoi? Et ça aussi. Qu'est-ce que tu fais? Hey! Arrête ça! Waouh! On a de la compagnie. Je me demande ce qu'ils font là. Non, c'est insupportable! Elles sont trop embêtantes! Si seulement je pouvais partir d'ici pour toujours! Oh super, c'est mon opportunité! Je dois découvrir ce qui se passe! Personne ne doit me voir. On dirait qu'ils sont dans le bureau du principal. Je vais aller découvrir ça maintenant. Vous êtes venus au bon endroit. On a des enfants merveilleux. Jessica, par exemple. Ouh, pas mal. Jessica? Oh non, pas elle! Et voici notre Mia. Moi, j'espère qu'ils me prennent moi. Non, elle ne convient pas. Vous êtes sûr? Bien sûr! On prend cette question très au sérieux. Je dois en apprendre davantage sur eux. On peut continuer? What? Ma belle, qu'est-ce que tu fais là? Reste là! Et s'il te plaît, ne fais rien de stupide! C'est pas juste! J'ai rien fait du tout! Mais j'ai bien réussi à faire quelque chose. Je me demande qui c'est, eux. Candace? C'est une directrice? Maman est une directrice? Mais c'est exactement ce qu'il me faut! Elle dirige sûrement un énorme magasin de jouets. Maman, je peux? Bien sûr, serre-toi. Cool! Même ce lapin? Celui-là aussi. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Oh, super! Waouh! Monster High! C'est vraiment le pire. Je t'ai enfin trouvé. Non, c'est mes jouets! Maman, fais quelque chose! Désolée, ma fille. Ces poupées sont pas à vendre. C'est bon. Tiens, ma fille. Ouais, maman, t'es la meilleure. À moi. Tout est à moi. Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? T'avais l'air de kiffer. C'est trop drôle. Arrêtez, je vais le dire à maman et papa. De quoi elle parle? Si seulement papa. Papa? J'y crois pas. Ryan, 35 ans. Il travaille pour la police? Oups! Oh! Waouh! Alors ça, ça craint. Je fais la vaisselle, papa! Dépêche-toi, ma belle. T'as beaucoup de trucs à faire. Oui, bien sûr, t'inquiète pas. Ça suffit. J'ai besoin d'une chemise. Combien de temps je vais encore attendre? Oui, papa. Je fais vite. Tu recommences! La vaisselle va pas se laver toute seule. Oups! Ça y est, je suis à bout de patience. Non, non! Pitié, pas ça! Ma belle, tu vas bien? Oui, oui, ça va. T'es sûre? Oui, oui, tout va bien. Alors, je dois y aller. À plus. Waouh, je suis clairement pas prête pour ça. Oh, c'est eux! Je peux pas rater cette opportunité. Qu'est-ce que t'en penses, chérie? Je pense que Mabel est une enfant merveilleuse. Bien, bien, bien. Maintenant, à moi de jouer. Entre, ma chérie. On est enfin à la maison. Ouh, pas mal. Je vivrai ici très bientôt. Oh, quel cauchemar! On a encore oublié les poubelles. Oh non! Il vient par ici? Qu'est-ce que je vais faire? Je dois me cacher quelque part. Oh là là, quelle odeur! Rends-moi ça! C'est mon tour maintenant. Ouah, regarde! On dirait qu'elle a trouvé un nouveau passe-temps. Elle recommence! Heureusement que je vais bientôt me débarrasser d'elle. Hé, hey, espèce de déchet! C'est insupportable! C'est pas grave. Bientôt, vous serez jalouse de moi. Mon rêve tardera pas à se réaliser. Et je serai plus seule. Allez, c'est l'heure de faire ses valises. Mon plaid préféré. Va dans la valise. Parfait. Oups. Je dois me préparer. Nickel. Voilà, je vais attendre maintenant. Il est tellement tard. Ils ont changé d'avis ou quoi? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il fallait que je sois prise dans les bouchons, évidemment. Oh, c'est la fin! Ils m'ont complètement oubliée! Oh non, ça recommence!
qu'est-ce que je vais faire maintenant? Piou! Je crois que je suis enfin arrivée. Du calme, ça va aller. Je ferai plus jamais confiance à personne. Pourquoi est-ce qu'ils me font ça? Waouh, maman! T'es venue finalement? Désolée ma belle, je suis en retard. On y va! J'ai attendu ce moment depuis si longtemps. Regarde qui nous attend. Papa est trop content de te voir. Bonjour ma belle, bienvenue. Papa? J'ai peur d'imaginer ce qui m'attend. S'il te plaît maman, non, je veux pas. Allez, Ryan est très gentil. Vous allez devenir copains tous les deux. Salut ma belle, on est vraiment heureux de te rencontrer. C'est ta maison maintenant. Allez, je vais te faire un câlin. Oups! Je suis désolée, j'ai pas fait exprès. Bah oui, je me doute bien. T'inquiète pas, c'est rien. Tiens, prends le mien. Vraiment? C'est une blague? J'y crois pas. Allez, viens à l'intérieur. Ah, c'est trop mignon. Tu te plais ici? Maman, est-ce que tu vas quelque part? Oui, je dois aller travailler. Oh, s'il te plaît, emmène-moi avec toi, maman. Non, tu vas t'ennuyer là-bas. S'il te plaît! Je t'embêterai pas. J'ai dit non, ma fille. Je me comporterai bien. Bon, ça suffit. Les enfants n'ont rien à faire là-bas. Je vais être toute seule. Allez, calme-toi. Bon, si c'est si important pour toi. D'accord. Attends une minute. Tu vas porter une couverture? Bah, pourquoi pas? C'est ma couverture préférée. Bon, d'accord. On y est. C'est ici que je travaille. Waouh, c'est génial! On va pas perdre de temps. Entre. Waouh! Quoi? C'est qu'un simple bureau? Où sont tous les jouets? Allez, va t'occuper. J'ai du boulot à faire. Qu'est-ce que je suis censée faire ici? Trop nul! Oh, je sais. J'ai un pop-it. Ma belle, fais attention. Tu commences vraiment à m'embêter. Oh, c'est marrant ce truc. Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Ma belle, fais attention. C'est un tampon pour mes documents. Ça suffit, j'en ai marre. Tu rentres à la maison tout de suite. Waouh, un message des filles. Une soirée pyjama? C'est une idée géniale. Je vais essayer de trouver quelque chose. Papa, mes copines m'ont invité chez elles. Tu vas me laisser aller à leur fête, hein? Bah oui, pourquoi pas, c'est une super idée, ça. Quoi? Non, t'iras nulle part. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je suis totalement contre. Ma belle, va dans ta chambre tout de suite. Je suis désolée, ma fille, je peux rien y faire. Elle m'interdit toujours tout. Je dois trouver quelque chose. Il y a une fenêtre dans ma chambre. J'ai besoin d'une corde très longue. Je crois que ça fera l'affaire. Super! Maintenant, c'est parti! C'est bon! C'était trop facile! Bien, bien, bien! Où est-ce que tu crois aller comme ça? Désolée, je voulais juste aller me promener. Retourne tout de suite dans ta chambre! C'est pas juste! Je ferai ce que je veux de toute façon. Je vais vraiment devoir rester ici toute seule? Les filles, ils veulent pas me laisser sortir. Super! Je savais qu'elles m'abandonneraient pas. Cette lessive est sans fin. Quand est-ce qu'ils ont le temps de tout salir comme ça? Ce plaid doit être nettoyé. Qu'est-ce qui se passe? Qui ça peut être? Bonjour, je vous écoute. S'il vous plaît, laissez ma belle venir. J'organise une soirée pyjama. J'ai dit non! Au revoir. Waouh, pourquoi elle est si furieuse? Bon bah, tant pis, on peut rien faire. Des nouvelles des filles? Oh non! Elles n'ont pas réussi à la convaincre non plus. Mais pourquoi? Ça suffit, j'en ai marre, je veux plus rester ici. Oups, quelque chose a mal tourné. Je suis désolée, ma fille. Maman? Mais c'est mon plaid préféré! On va t'en trouver un autre! Non, tu l'as fait exprès! Ma fille! Ouais, c'est tendu entre nous deux. Chérie, quelque chose ne va pas?
Ma belle est fâchée contre moi, je sais pas quoi faire. Je voulais bien faire. Comment je peux gagner son pardon? Je sais pas quoi faire. Allez, t'as pas à t'inquiéter autant. Je crois que j'ai une idée. Attends une seconde, j'arrive tout de suite. Oh, Ryan, tu m'as fait peur. Mets ton pyjama. On va organiser une super fête à la maison. Bon, ça vaut le coup d'essayer. Ma fille, on a une surprise pour toi. Ça dit de faire la fête? Appelle tes potes. Oh, s'il te plaît, pardonne-moi. Je veux rien de toi. Même pas ça? Il est encore mieux que l'ancien. Un plaid? Il est pour moi? Ouais, c'est vrai qu'il est joli. Alors, tout est arrangé? Oh, wow. Je suis tellement heureuse qu'on s'entende à nouveau. On va passer un super moment.